Donc du coup, pour ceux qui auront suivi sur Instagram, donc voilà, donc je suis allé faire une sortie avec Nefox et un autre pote à moi. Cet autre pote, j'avais prêté ma moto et malheureusement, il est tombé avec. Donc il est tombé dans un chemin, il n'allait pas hyper vite, il a juste glissé. Donc du coup, ce que j'ai eu dessus, j'ai eu le calepied tordu comme je vous ai montré. Après j'avais tout le guidon poste de pilotage mort, donc là j'en ai mis un en attendant, mais bon voilà, c'est un guidon d'origine déjà tordu, enfin bref, abîmé, tout ça. La fourche était tordue, de toute façon je vous mets des photos en même temps là. Donc la fourche était tordue, donc en attendant pour pouvoir en faire quand même un peu, j'ai mis un pot passage bas Voca 50-70. Donc avec le 75 je vous laisse deviner ce que ça donne quoi, ça va pas du tout. Et donc voilà à quoi ressemble mon pot. Putain, t'as vu comment il a rouillé. Donc SCRRL, voilà à quoi il ressemble. Voilà. Enfin bon, voilà. Donc là du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, là je lance une série en gros pour vous montrer tout ce qui va se passer sur la moto à partir d'aujourd'hui. On va essayer de dépoquer le pot. Et bref, vous verrez bien, aujourd'hui on va passer aussi des commandes histoire de remettre la moto en état. J'ai un nouveau partenaire, tout ça, enfin on va vous expliquer. Allez, c'est parti. Du coup, vu que le pot c'était un échec, Perro Supermote elle est morte, donc je vais mettre ça en attendant. C'est horrible, je vous l'accorde, mais bon. Et puis au moins elle roulera et ça sera plus simple parce que là elle n'avait plus de roues. Donc après là on va aller la laver, on va essayer de refaire un peu l'électrique pour les clignotants et tout ça parce que là il n'y a rien qui marche. Et voilà. Bon du coup, exploit de Nefox, ça y est, j'ai un feu avant et un compteur qui marche. Bon voilà, donc je vous mets encore à la chaîne de Nefox dans la description, hein, pensez à aller voir, ça ferait plaisir, il se met sérieusement en vidéo, lui, enfin bon, voilà. Bon voilà, elle est enfin remontée, bon, c'est dégueulasse, mais bon, calpé toujours tordu, tout ça, mais bon, on a refait tout l'électrique. Et maintenant on se retrouve tout de suite pour les commandes. Allez. Bon du coup là on se retrouve sur le site de 50 Factory. Donc 50 Factory qui est mon sponsor officiel. D'ailleurs que je remercie énormément pour leur réduction. Qui vont me permettre de remettre la moto en état. Donc du coup là aujourd'hui on va commander kit carénage. Peut-être une ou deux pièces en plus. Et après on ira sur Scootfast pour recommander un pot. Du coup on n'a pas réussi à le dépoquer. On va aller voir pour le pot. Et du coup, je vais reprendre le même. Hein. Je le reprends en carbone de toute façon. Ouais. Il est pour MRT Pro ou pas? Ouais, il passe. C'est le même. Bon, donc du coup, je vous avais parlé d'un nouveau sponsor en début de vidéo. Donc voilà, c'est Gotham Design. Une équipe qui s'occupe de faire des kits déco 100% perso. Ils font du super boulot. Par exemple, là, vous avez pu voir une photo d'un de leurs kits déco, il est vraiment magnifique. Donc là vous pouvez voir que je leur parle assez régulièrement parce qu'ils sont en train de me faire mon nouveau kit déco. Donc voilà, donc c'est vraiment une super équipe. Dites-moi au passage dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas d'avoir un code de réduction sur leur site, sachant qu'ils font vraiment du super boulot avec vraiment une super originalité et ils sont vraiment à votre écoute. Moi je sais qu'ils m'ont déjà fait, on doit être à la 6e maquette, donc pour vous dire ils sont assez patients. Bon voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime, j'en demande pas souvent, mais là ça me remotiverait. Donc au passage merci, on a passé les 4000 abonnés, je vous dis à la prochaine vidéo, on ouvre les colis et on monte tout ça, allez, salut.